Au niveau des armes, on a quoi, nous? Ça, c'est de la merde. 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 Ok, au niveau des arcs, on en a un certain nombre. Ok. Nous, on va aller directement se téléporter ici, là. Oh, ou... Ici, là. On va chercher directement le bouclier. L'homme de la situation. En plus de fées, pff, clairement, non. On n'a pas besoin de plus de fées. Là, le premier boss, on va le rouer dessus. On va même le one-shot. Ah, je sais pas où faut viser pour cette ombre-là. Donc, on va peut-être pas le one-shot, en vrai. On va quand même tenter de la one-shot, la première ombre. Il y a moyen qu'on la one-shot. Et après, on ira défoncer Ganon. Prologue de Revali, pff, non plus. On a plein d'arcs, là, en vrai. On aura un arc de garde royale qui va être bien utile là-haut, et puis ce sera tout. Allez, c'est parti. Bah non, pas full life. Il va perdre les trois quarts de sa vie. Les trois quarts de la moitié de sa vie. Du coup, pas un bon nombre de vies, quoi. Huitième. Exactement. Ah, comment tu fais ton 3/8ème? Ah oui, c'est ton téléphone. Les trois quarts de la moitié, je suis débile. Bon là, il y aura la cinématique du château. Attention, voilà le château. Oh, quel beau château! Voilà, c'est fait. On a vu le château. Il était beau, hein. On l'a vu de loin, là. Allez, hop, à l'attaque. Je dis pareil, en vrai, je suis resté OCD pour les fractions. Moi, je t'avoue, j'ai un bac S. Hein. J'ai passé un bac S avec 18 en maths. Sans le level. Sans le gros level. On dirait que c'est la fatigue, ouais, on dirait que c'est la fatigue. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ah si, pour se re-TP là. On partira de là pour aller au château, je pense. Une fois qu'on aura fait le... Ah, on aura fait la salle d'armes. On aura fait tout ça. D'abord, on va chercher le bouclier. Ah, on peut pas se TP, je suis bête. Dans le château. Faut sortir et se re-TP, je vous avoue, j'ai un peu la flemme de faire tout ça. Allez, allez, allez. Qu'est-ce qu'il rend? Mais qu'est-ce qu'il fait? Grimpe! Allez. Voilà. Non, on est toujours pas mort, Arro... Ars. Ars.
plusieurs secondes, mais du coup, il n'y a pas eu de brevet l'année dernière. Aïe, ah, le brevet a été annulé. Pas mal. Bon, après le brevet. Le nombre de potes que j'ai qui n'ont pas le brevet, mais qui ont quand même le bac. Le brevet, ça sert vraiment à rien, par contre. Hein. Ok, super. Ça. Bon, lui. Il est prêt. Oula. Ah, on a plus d'arc. Paulinette s'est endormie. Eh ben, re Paulinette. Ta 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 ta. On a un bon bouclier, on a plus de place. C'est lui, non? Nickel. Nickel. Bon. On a perdu Mipha. Elle arrive dans combien de temps, Mipha? 7 minutes. Et elle? Elle est déjà là. Ok. On va attendre Mipha dans 7 minutes. Environ 7 minutes, ça devrait le faire. Pourquoi j'ai fait ça? Ça va ouvrir les portes. J'étais à Varuta et bim, t'es au château d'Hyrule. Varuta, c'était lequel? Oui, on... Varuta, c'est le... Ah, tu t'es endormi à Varuta? Non. C'est vrai? Divise le temps par 2 ou 4 dans le château pour reload les prodiges. Ça va plus vite? Non, c'est pas vrai. Ah oui, d'accord. J'ai cru, moi. Oh, débile. Oui, ça reload plus vite. Ah, c'est cool, ça. À la limite, et on va retourner dans la bibliothèque, en vrai. Mais c'est vrai que je me rappelle. Oui, si t'avais eu à t'envoyer des messages bien après, je crois. Ça aurait été drôle quand même. Bon. On va se faire la salle d'armes rapidement. Oh bah putain, on s'est fait one shot par une chauve-souris là. T'as quand même enchaîné les donjons, c'est vrai que les donjons... En vrai ça va vite hein. J'arrive jamais à me repérer dans le château perso. Ah, faut y passer du temps pour finir par s'y repérer, mais moi aussi j'ai galéré pas mal hein. Et encore, je me perds des fois. Là je vais juste aux endroits que je connais, pour aller plus vite.
Le château, tu le connais mieux que tout le monde. Allez hop. Sans rubis, ça nous sera utile ça. Bon. Salle d'armes, salle à manger et Ganon, ça vous va? Je saurais te dire combien il y a de lits dans la bibliothèque, lol. Il y en a combien? Langue épée de glace, t'avoue, non, j'ai pas forcément besoin. Il y a vraiment rien ici, il y a un arc normalement. Il est nasu. Ah, il y a un bouclier. Enfin, un bouclier, on s'en tape un peu, mais. Ok. L'arc du. C'est quoi comme arc? Garde royal, c'est cool. On va acheter genre celui-ci. Hop là. Hop là. Le Korugon s'en tape. Hein. Bon bah nickel. Tout ça on s'en tape aussi. Bon lui on s'en fout. Hein. Ostruche max. J'ai du bol en vrai. Hein. J'ai posté des trucs assez mystiques là. Il n'y a plus de flèches. Comment on allume ça avec ça? Hop là. Un petit caillou, genre panox. Nickel ça. Et on cuisine. On peut cuisiner du lame. On va cuisiner du truffe max avec grosse. Ça fait un gros repas là.
Ensuite. Ensuite. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Ça là. On va cuisiner à l'unité ces trucs là. Ça fait que deux. Cinq, six. On y est presque. Ça fait que trois là. C'est de la merde. La Radimax House. Pas la Radimax. On cuisine. Je mets que des viandes et un radis, ça fait quoi? Et un radis. Gros Radimax. 5, c'est pas mal. Bon, on est bon là, on va pas trop creuser les trucs, hein. On est full. Nous on va se full life. Bon, on se full lifera avec ça, je pense. Attendez. Hop. Là, on va faire nos deux windbombs pour aller là-haut. On va récupérer l'arc et là-haut quand même. Un arc royal, ça peut être pratique à la place de. Allez. Comme par hasard, Mifa elle arrive au bon moment. On peut y aller. Concentre. Aïe aïe aïe. Aïe calamba. Allez monte. Voilà. Oh. Oh là 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 là. Ah, il y a pas de flèche. On va mettre des flèches, ça serait peut-être mieux. Oula, un peu fail. Un peu fail aussi. Ok. Zora. Et nous y voilà. La tenue. On s'habille comment? Avec ça. Voilà. Let's go. On va prendre un arc multiflèche. On va prendre l'arc de Linel. 10 x 3. Ah non, le mien il est pourri. Autant prendre celui-ci. 15 x 3. On prend des flèches d'explo. Et on tente de viser. Alors, on va viser ici, là. Let's go. On va voir si ça marche. C'est parti pour la première ombre. Ah les amis, moi j'ai pas pensé. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Alors attention. Est-ce qu'il bug? Il a pas l'air de bugger. Je pense qu'on a raté.
Ah merde, j'ai niqué Urbosa 1. Je suis vraiment débile. Bon, c'est pas grave. On a nos follow de Matisse Bogos du 34. Bienvenue à toi, Matisse. Comment vas-tu? Allez! Ça va et toi? Et bah moi ça va très très bien. Tu arrives à la fin d'une grosse aventure là. Je pense que tu te rends pas compte de ce que tu viens de rater. On devait faire le jeu sans mourir pour finir un glitch. Donc tu vas voir le glitch, on y est presque. On va essayer de... Je sais pas s'il va marcher en vrai. J'ai aucune certitude du fait que le glitch fonctionne. J'espère qu'il va fonctionner. Là on va tuer Ganon. On va voir. Si je meurs, en gros, on a niqué le système de sauvegarde du jeu. Si je meurs, je recommence le jeu depuis le début. Donc j'ai pas envie de mourir. Bah, ça fait 8 heures qu'on est dessus. Non, ça fait 6 heures, 7 heures qu'on est dessus. J'ai pas envie de mourir. Parce que si je meurs, on est obligé de tout recommencer. Et du coup, c'est un peu galère. Mais normalement, ça va bien se passer. 7 heures. Bon, hop. Attention, combat final. Bonjour Ganon. Comment vas-tu? Oula, ça fait mal. Ah bah il est pété lui. J'ai loupé un deuxième Urbosa, mais quel débile. Oula. Ok. Raté. Nickel. Bon. J'ai appris le glitch stunlock aujourd'hui.
Là, en gros, j'ai fait un petit glitch pour le tuer. On m'avait dit que c'était au moment où on plante la lance. J'arrivais jamais à voir quand est-ce que c'était, mais c'est bon. Je sais faire le stunlock. Et genre, c'est hyper facile en vrai. L'important, c'est pas le résultat, c'est le voyage. Alors, Célestial. Célestial. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai trop peur. J'aurais rien à souvenir. Premier truc que je fais, je récupère l'arc de lumière, peut-être. Fais pas de conneries. Je vais pas faire de conneries. Ah, on va essayer. Donc, je récupère l'arc ou pas? Oh, est-ce que j'en ai des souvenirs? Ouais, c'est bon. Fais pas de conneries. Donc, première chose, je récupère l'arc, ok? Célestial qui nous a fait un petit logo F avec une pâte à cuire. Trop marrant. Je vous montrerai ça plus tard. Démute-moi, je te démute, Célestial. Allô, monsieur Célestial, comment vas-tu? Allô, bah, ça va. Ça va. Un peu éclaté, mais ça va. Alors. Qu'est-ce que je fais? Déjà, ramasse l'arc avant. Pour être sûr que ta save buggée soit avec l'arc dans l'inventaire. Ok, donc j'ai l'arc, j'ai l'arc en poche. Est-ce que je l'équipe ou pas? Attends, j'ai un petit décalage, je relance. Alors oui, tu l'équipes, parce que va falloir que tu es Ganon, quoi. Est-ce que je commence à taper Ganon? Et tu... ouais, tu peux lui mettre 2-3 flèches, mais faut que tu regardes le souvenir quand t'as l'arc. Donc tu regardes le souvenir, même. Descendre du cheval, c'est mieux. Ah ouais, c'est mieux de descendre? Pourquoi? Je sais pas, au cas où il peut y avoir un bug, c'est pas grave. Faut mieux prendre les précautions. Je regarde le souvenir dans les valises. Ok. Je regarde. Attention, oui. En entier ou je le passe? En entier, on prend pas de risque. Ok. On regarde le souvenir en entier. Mais je pense qu'on peut le passer. Clairement, je pense qu'on peut le placer, mais vu la galère qu'on s'est tapé, oui, j'ai pas envie de prendre des risques. On sait jamais. Quitte d'avoir un piaf arrogant. Bon, ah, je stresse comme un porc. Putain, si ça marche pas, bon, si ça marche pas, tant pis, c'est de la merde, ça glitch, mais Le pire, c'est que je m'en voudrais si ça marche. Alors, j'espère qu'il est sympa ce souvenir. Je stresse comme un chiot. Je tremble. De quoi? Je tremble, moi. Il tremble. Non, j'en peux plus, là, je suis en panique totale. Ta gueule. Oh putain, moi qui fais le 100%, c'est compliqué. Ah oui, le 100%, c'est difficile. Et au moins, juste le... Surtout que... C'est juste le DLC 2. Arrête toi, DLC. Non, non, le 100%, c'est mieux. Le 199 Korogu... Ouais. Alors ensuite, imaginons. Une fois que j'ai retiré, que j'ai tiré la flèche sur Ganon et que j'ai retiré mon arc, qu'est-ce que je fais après? T'attends. J'attends la fin de la cinématique. C'est ça? Et après on se retrouve au menu principal et je fais quoi au menu principal? Au menu principal, tu relances une partie. Une nouvelle partie. T'attends une sauvegarde. Une nouvelle partie. T'attends une sauvegarde automatique et tu cherches la sauvegarde automatique. D'accord. Ok, j'ai compris Je suis dans le mal, je suis réactive. Pas bien, je suis pas bien du tout. J'ai envie de me mettre debout, je vais me mettre en debout. En soi, le souvenir... Je vais me mettre debout. Et ce qui se passe, c'est que le souvenir, il réactive les saves. Ouais. Sauf qu'en réactivant les saves, vu que toute ta partie t'as pas save, il peut save que au moment où t'as eu l'arc de lumière. Ouais. Et du coup, en fait, il sauvegarde pas le jeu vu que t'es en combat contre Ganon, mais il sauvegarde ton inventaire. Ok. Et bah, attendez, je me mets bien debout là. Bon, je vais juste lever un peu mon bureau. C'est possible qu'il sauvegarde la carte aussi. Donc les modules. Oh merde. Et la carte avec les tours. L'encyclopédie peut-être. L'encyclopédie tour. Bon, c'est parti. On essaie de tuer Ganon. Let's go. Attendez, je vais juste déplacer le chat un tout petit peu plus haut histoire de ne pas l'avoir dans la tête. C'est un peu plus joli. Voilà. Fondu. Bon, on part. Défonce Ganon. Ah oui, on va le défoncer. Ah, il y a le fond vert qui dépasse. Bon, c'est pas grave. Oh, si, c'est un peu galère, ça. Il y a Talia qui a dit défonce Ganon. Attends, je mets juste un tout petit peu la caméra pour pas qu'il y ait trop de soucis avec le fond vert. Voilà. Un peu plus. Évite de mourir aussi. Passe. Oh, pourquoi j'éviterais de mourir? C'est stylé de mourir, non? Alors. Pas trop. Pas trop.
Alors. Et je suis pas réveillée à 3h33 du matin pour que tu meurs comme un copain. Oui. Essaye de pas mourir. De côté. Alors. Célestial, tout ce que tu m'as dit, j'ai oublié. Donc tu vas me le redire au bon moment, ok? En fait, là, tu le tues normalement. Ouais. Dès que tu mets la flèche, je donne l'œil dès que tu entends le prrr, avant que tu retires là. Ok. Pas lui, hein. Il est tout excité là. Il attend que ça là. Il a envie de voir la lumière en dehors. Le cheval, il est tout fou. Il est tout fou le cheval. Bon. Il faut bien se concentrer là. Faut pas que je me foire. Alors attention. Et toute une communauté Discord. On est 40 là en viewer. Il y a des viewers qui sont arrivés sur ce combat final. Attention. Retiré. C'est ça? C'est bon? J'attends maintenant? C'est ça? J'attends. Je suis pas bien là. Je me sens mal, je me sens vraiment pas bien. Moi non plus. Il y a un décalage, là t'as retiré l'art. Là t'es dans le menu. Là t'as fermé le menu. Putain. Bon. Bon là on va attendre la fin. Du coup je peux me rasseoir là peut-être. Non je suis bien debout en vrai. C'est trop marrant, la caméra elle est vachement haute. Genre Ça me filme les GG parce que ça se trouve t'as complètement foiré, t'auras pas l'art. C'est possible. Oh, si j'ai foiré, je refais sur émulateur. Je vais pas m'emmerder à refaire ça. Ou après tu peux te mettre hyper vitesse, j'ai infini et tout. Ouais voilà c'est ça. Alors. Ou au pire tu te dis juste l'arc avec éditeur de menu. Ouais. Bon, je passe pas la cinématique, on est d'accord? Ça changerait rien de la passer en vrai si. Non, ça changera sûrement rien. Est-ce que je le fais? Vas-y. Le chat, tu le fais ou pas? Vous en pensez quoi? Kaito, AZR, Alpha Probe, on passe la cinématique ou pas? Non. Atalia dit non. Parce que y a quand même au moins 5 minutes de générique de fin. La passe pas, on sait jamais. Le fait de pas la passer, ça prouve qu'on n'a pas compris le glitch, je pense. Parce que ça n'a pas. Pour moi, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Soit ça arrive. Mais de toute façon, si je la passe, vous avez tous dit non. Et si je la passe et que le glitch fonctionne pas, vous allez dire que c'est de ma faute s'il a pas marché. Du coup, s'il marche pas, c'est de la vôtre. Non mais dans tous les cas, c'est de ma faute si ça n'a pas marché. Si ça n'a pas marché, c'est parce qu'on a ouvert, c'est qu'il y a 5 heures, il y a 6 heures, on a fait la flèche de droite pour ouvrir les arcs. Et c'est ça qui a raté le glitch. S'il a raté, c'est à cause de ça. On a quand même commencé cette aventure-là en étant... Alors que Célestial avait dit que ça allait pas marcher. Brave Zelda. Bah, t'as eu de la chance que les sauvegardes soient activées. Mais du coup, tant que les sauvegardes soient pas activées, en fait, c'est. Bah, normalement, c'est bon. On était sûr que ça marchait avec les joueurs de lumière. Parce qu'en fait, on a testé avant d'enlever les sauvegardes sur émulateur. Et on a su que ça marchait d'avoir l'arc de lumière. Du coup, fallait juste trouver un moyen pour désactiver les sauvegardes. Et justement, l'Extended Memory Storage que Kinect a trouvé. Et ben, on savait qu'on avait l'arc. Ouais. Fallait juste le protocole, en fait. Exactement, je pense à cette flèche depuis le début. Ah oui, ouais, ce truc-là, là.
Je suis mort une trentaine de fois, moi, parce que j'ai voulu grid. Ah ouais? Bah moi j'ai pas joué grid, j'ai joué la win. Zéro mort, hein. On a... C'est fini le truc. Attends, le défi de la communauté, il est terminé. Attends, il est terminé ou pas? C'était qui l'avait fait le défi de la communauté? Il reste 29 jours. On peut le terminer en fait. Je sais pas s'il est clôturable. Le vote oui non. Ouais, moi, c'est oui, c'est oui non. Le vote oui non. Je vais aller voir. Je sais pas ce que c'est en fait. C'est Doit. Je sais pas si tu l'as activé. Merde, j'ai perdu le chat. J'ai perdu le chat. Non, tu l'as pas. Tu l'as pas terminé le vote oui non. Ah mais je sais pas comment le terminer en fait. Bon. Okay. C'est Xelo qui l'a lancé, je crois. Ouais, c'est Xelo. Il est parti se coucher. Mais bon, normal. Bon, les points seront redistribués demain, je pense. Bon, oui. Cinématique de fin, on attend. On glande. On passe. Le chat. Skip. Vous avez le droit. Bah, moi aussi, je serais pour skipper. Célestial, il est pour skipper. Mais c'est le chat qui décide. Il y a Célestial qui dit skip. Mais bon, Célestial, il a dit deux fois, du coup. Il y a Atalia qui dit skip. Il y a Paulinette qui dit passe. Il y a tout le monde qui dit passe. Bon, c'est marrant. Alors, la première, vous l'aimez bien. Mais par contre, cette cinématique-là, ça vous fait chier quand il y a les noms des créateurs du jeu. Hein. Alors, on aime bien voir Zelda qui dit bonjour, au revoir. Mais quand c'est les créateurs du jeu, ça vous emmerde. Allez, on passe. Ça va prendre 20 ans, cette cinématique. Oui, elle est longue. Il y a tout le monde qui. C'est marrant. À l'unanimité, tout le monde skip. Trop bien. Alors. Allez. Je fais quoi? Nouvelle partie? Skip. Du coup, une nouvelle partie en mode de... dans le mode que t'es. C'est juste le décalage. Je vais relancer le live au cas où. J'ai pas envie de savoir si ça marche ou pas. J'ai pas envie que ça marche pas, sinon j'ai le seum. J'ai tellement peur que ça marche pas, putain. Ça va pas marcher. Même si ça marche pas, et j'espère que ça va marcher, t'as quand même réussi à faire le jeu sans mourir et GG pour ça. C'est vrai qu'on a fait ça. Oui, non, mais ça, par contre, first try en plus. En mode normal, ah, mais first try. J'ai quand même pas pris de risque, hein. J'ai pris zéro risque. Le plus dur en gros, c'était le prélude. Hein. C'était le prélude en vrai. Oh. Bah ouais, c'est trop bien. Quand t'as passé le prélude, après c'est easy. Sa façon de voir les choses, mais bon. Ah, je peux passer ça. Je pense que le prélude c'est le plus chiant. Je suis mort plein de fois de chute. Bon, je la charge ou pas? La nouvelle sauvegarde. Alors là, t'as une sauvegarde, ouais. Tu la charges. Avant ou après avoir pris la tablette Sheikah? Ça n'a rien à voir. Comme tu veux, si tu veux voir deux tablettes Sheikah, prends-la. Ça peut être drôle. Par contre, faut t'attendre une sauvegarde automatique après la Sheikah. Du coup, que t'ailles ouvrir un coffre. En vrai, je m'en tape. Let's go. Bah, let's go. 3h39. Bah, en gros, si je la charge sur une autre partie, si je charge une autre partie, c'est pareil, non? Bon, je vais pas en faire une. Faut que tu charges la sauvegarde qui vient de se faire. Je vais me faire spoil dans le chat vu qu'il y a un décalage. Ça va pas marcher, cette merde. Ça va pas marcher, on a fait tout ça pour rien, j'en suis sûr. Putain. Bah non, ça n'a pas fonctionné. Ça a pas marché. Bon bah, super. De la merde. Et voilà, je m'en veux. Il faudrait un autre tuto. Je sais pas. Bon. Tu vas y arriver? Non, c'est trop tard, Alpha Probe. Je vais pas y arriver du coup. Je suis sûr que c'est la flèche. C'est infiniment possible que ce soit la flèche que t'as. Parce qu'en fait, quand t'es censé te suicider dans la game, il y a encore le truc de la cinématique qui est affiché. Et du coup, tu l'as sûrement enlevé avec la flèche. Dommage, dommage. Bon. Il
Kellogan qui est dans la haine complète. La déception est totale. Oh, c'est marrant, on a fait un bon défi. Le prochain coup, je le fais sur émulateur. Hein. On s'emmerdera pas à refaire tout ça. Bah, GG. C'est une belle défaite. Plus de 6 heures de stream pour rien. Non, c'est pas pour rien, c'était cool. On s'est bien amusé. Vous êtes pas amusé, vous? Moi, j'ai trouvé ça trop cool. Si, c'était drôle. C'est sympa en vrai. Il y avait des jeux dans le chat et tout. Il y avait le défi et tout. Non, mais ouais. Non, en vrai, c'était trop bien. En vrai, c'était cool. Super stylé. Bon. Bah voilà. Super. Je vais me rasseoir. Hein. Essayez d'ouvrir un coffre au cas où on sait jamais. Ça peut marcher. C'est le mec qui. Tu vis de rêve, toi. Hein. T'adores les rêves. Hein. Et si on recharge encore la partie, peut-être? Sur un malentendu, ça peut passer, non? Ouais, sur un malentendu. Et donc, on a gagné la prédiction. Oui, je suis pas mort, du coup. C'était la prédiction, je ne suis pas mort. Il n'y a pas eu de game over. T'as pas eu l'arc, mais t'es pas mort. Non. Merde, ce jeu, c'est de la merde. Bon, retour sur l'écran de blabla. Et on va clôturer ce live de merde. Non, je rigole, il était super, ce live.